reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois la gloire qui t'est due. Ô notre Père, reçois. Reçois la gloire. Abba Père, qui t'est due. Abba Père, ô notre Père. Reçois. Reçois la gloire. Ô moi. Ô notre Père, reçois Abba Père, Jésus-Christ, Père éternel, reçois, dès maintenant et à jamais, sois souverainement élevé dans nos vies. Reçois la gloire qui t'est due. Personne d'autre que le Seigneur. Reçois, ô Éternel, Saint d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, reçois. Reçois la gloire, à personne d'autre, la louange, la gloire, l'honneur, la magnificence. Reçois la gloire, à personne d'autre que toi, louange, honneur et gloire. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. À personne d'autre soit notre louange, à personne d'autre notre gratitude, que personne d'autre ne soit souverainement élevé. Reçois, dès maintenant et à jamais. Reçois, louange, adoration, action de grâce. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois notre louange et notre gratitude, Père. Par ce chant, nous désirons t'inviter. Nous désirons simplement t'honorer et te céder la première place. Oh, et la prépondérance, et la prééminence, et la souveraineté, la domination en nous. Que personne d'autre ne soit vu sur les trônes de nos cœurs. Nous nous humilions et disons, reçois la Abba Père, Abba Père. Que personne d'autre ne soit visible, que personne d'autre ne soit entendu. Mais te
suppliant, nous nous humilions. Reçois la gloire aux éternels, notre Père, notre Seigneur, notre souverain berger. Oh oui, reçois. Jésus-Christ, notre Père, à personne d'autre que toi, sois louange, honneur et gloire. Reçois et personne d'autre que toi ne reçoive la louange, rééminence, exaltation, célébration, content, magnificence, à toi seul, oui, éternel, à toi seul. Reçois la gloire qui t'est due à chaque oh, 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 oh. Entends ce message et décode-le de plus profond de nos cœurs. Entends cette mélodie, décode ses soupirs. Décode ces soupirs inexprimables, oh Père. Oh, 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 Don't say
magnifique. Oh, 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 oh. Une exclamation d'émerveillement, de stupeur et de splendeur devant la beauté et l'éclat. Oh, que je te connaisse, oh, que je te contemple, que je te vois et que je te vive. Oh, que mon homme intérieur chaque jour soit ému et stupéfait devant la magnificence du Seigneur, devant la beauté et la splendeur du roi de l'univers. Que mon être entier se mette au garde à vous en signe d'émerveillement, et que mon être regarde vers toi et dise: oh, magnifique, magnifique, oh, magnifique, en sainteté. Redoutable est l'Éternel. Oh, oh, que je te vois une fois, que je te vois. Oh, 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 oh. Jean l'a vu et il s'est prosterné face contre terre. Seigneur et mon Dieu, Thomas l'a vu, et il a dit: mon Seigneur et mon Dieu. Oh, sur la montagne de la transfiguration, lorsqu'ils l'ont vu, oh, 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 oh. Sois ton émoi, que tout mon être soit émerveillé par qui tu es, que je te vois avec les yeux de mon esprit, que je te vois en permanence, je t'en supplie. Illumine les yeux de nos cœurs, que nous te voyons, et que nous aussi nous soyons, Seigneur. En anglais on dit amazed, ça veut dire stupéfait, ébahi. Lorsque Esaïe l'a vu, il a dit: oh, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Lorsqu'Esaïe l'a vu dans Esaïe chapitre 6, il a eu un cri d'exclamation: oh, je suis fichu, parce que mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, dans son saint temple, sur un trône très élevé. Il faut que je te voie, il faut que je te voie, afin que mon homme intérieur cesse de s'apitoyer devant Moïse, devant Pharaon plutôt. Moïse, au lieu de regarder Pharaon, il regardait le roi invisible. Ça le remplissait d'assurance. Il faut que nous te voyons. Oh, 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 oh. Que notre homme intérieur soit ébahi et stupéfait, contemplatif devant sa majesté. Oh, 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 oh.
c'est tout un langage. Il n'y a pas besoin de mots. Parce que dans le domaine de l'intimité, les mots ne sont pas souvent utiles. Juste des soupirs et on communique. Juste un soupir et on communique. Lorsqu'il entend oh, il sait que je n'ai pas de mots. Il sait que je ne sais pas quoi dire et que je demande grâce. Oh grâce, oh miséricorde. Soit peu nombreux et que le cœur s'exprime. Oh, 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 dans cette atmosphère, élevez la moi et faire sortir quelques sons par l'esprit ou par l'intelligence. Alors que nous augmentons dans cette atmosphère, peux-tu faire sortir quelques paroles? Makataya, Mayelemo, Yeka Maya Yelemo Saya. Ton gouvernement. Oh, ne laisse aucune concurrence sur le trône de mon cœur. Pas de compétition, pas de rivalité, non. Oh, je ne peux pas le faire, mais je t'en supplie par la puissance de ton esprit qui agit en moi. Apprivoise-nous, conquiers, domine. En possession, et que personne d'autre n'ait la prééminence, l'attention, la contemplation, l'acclamation. Non, personne d'autre. Oh, laisse-moi t'acclamer. Personne d'autre. Oh, l'agneau de Dieu. Oh, Shiloh Christ. Oh, Messie. Oh, souverain. Sacrificateur, au prince de paix, à l'étoile.
acclamer. Mais laisse-moi acclamer, ce n'est pas applaudir. Acclamer, c'est faire retentir des clameurs, des cris de joie, des expressions de gratitude. Tu m'as donné des mains, c'était pour acclamer, c'était pour célébrer, c'était pour témoigner. Il m'a donné, et il t'a donné un jour de plus. Réalises-tu à quel point c'est une grâce d'être là? Quand tu allumais ta télévision, si tu l'allumais, tu veux que certaines personnes n'ont pas eu l'occasion de se lever. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas être amnésique, perdre ma mémoire. Non, le fait d'être là aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Non, Seigneur, je refuse de perdre la mémoire. Nous sommes reconnaissants ce matin. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Et que personne d'autre ne soit entendu. Que personne d'autre ne soit désiré autant que toi. Nous te supplions. Ah, et compassion de nous. Oh, et compassion de nous. Et compassion de nous. Fais-nous te voir. Fais-nous voir la petitesse et la misère de nos propres vies sans toi. Que nous te voyons, que nous te connaissions, nous te supplions. Nous te supplions. Oh, 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 oh. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Te supplions. Nous reconnaissons notre misère sans toi. Je te supplie. Au nom de Jésus. Y a-t-il une personne pour acclamer, 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 acclamer le Seigneur, vous toutes les nations, acclamer, 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 acclamer.
Seigneur, que ce ne soit pas un dimanche de plus. Nous te supplions. Tu as dit, on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Nous te supplions. Que ce ne soit pas simplement un dimanche de plus. Que ce soit un dimanche de rencontre divine, d'intimité divine, d'attachement divin, de passion et de possession divine. Je te supplie. Ces hauts correspondent, ces hauts, ces exclamations, hauts, signifient qu'il n'y a pas de mots. Parce que des fois, il n'y a pas de mots. Des fois, c'est juste un soupir. Parce que je n'ai pas la grammaire ni le vocabulaire. Des fois, simplement, les mots ne sont pas assez forts. Il y a des supplications qu'on ne peut pas traduire avec des paroles. Si tu ne me crois pas, pose la question à Anne lorsqu'elle soupirait en attendant Samuel. Elle n'avait pas de mots. Et même le sacrificateur pensait qu'elle était ivre, qu'elle avait bu. Mais elle n'avait pas bu. Elle ne trouvait pas les mots. Elle soupirait, elle ne parlait pas, elle soupirait. Il y a des soupirs au plus profond de nos cœurs qui en disent long que tous les mots. Seigneur, entends-les. Saint-Esprit, emmène-les à Dieu le Père, dans le nom de Jésus, et exauce-nous. Merci d'inspirer ce moment. Merci d'étendre ta main et de nous absorber, apprivoiser. Ramener à toi. Merci. Rien que le fait d'être là et d'être connecté depuis Paris Nord, depuis un campus ICC, depuis Internet pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans un campus, rien que le fait d'être là est l'expression d'une supplication. Pas un dimanche de plus, pas une parole de plus, mais une rencontre. Nous te supplions une connaissance intime de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.